Salut Pierre. Salut Norman. Je suis très content de t'accueillir pour l'avant-première. Ouais, super content d'être là. Bonjour. Merci à vous. Du coup, toi, tu pilotes pour Jaguar depuis combien de temps ? Depuis cette année, donc c'est assez récent. Je suis le petit nouveau. Il paraît que t'es fort. On m'a dit que t'avais déjà gagné une étape et tout. Fort. Tu sais comme c'est. Il y a toujours meilleur que soi et on peut toujours progresser. Bah, avec moi, au moins, t'es sûr d'être plus fort que moi déjà. Ça, c'est déjà pas mal. On verra ça à Monaco. Quoi. Si tu m'invites, avec grand plaisir. Tu es invité. En plus de ça, on fera un tour de circuit ensemble dans une Jaguar. Ok, fort. Alors, j'ai déjà fait un tour de circuit avec Romain Grosjean. Et c'était une des pires expériences de ma vie. Non, pas des pires, c'était génial, mais en termes de sensation, ça prend pas que j'ai... En fait, j'allais vraiment vite dans une voiture et j'ai flippé. T'es en train de dire que Romain est un mauvais pilote ? Non, je dis que Romain était très bon, mais que moi, j'étais pas ultra rassuré. Tu sais, c'était un circuit, Jaguar m'a emmené, c'est un circuit où la voiture, elle se met carrément sur le côté comme ça. Ouais, dans un banking. Yes. Toi, c'est des véhicules électriques ? Véhicules électriques, mais je fais aussi course, donc avec des moteurs thermiques. C'est un rêve de gamin, faire une course avec des coéquipiers, c'est une cohésion d'équipe, je pense, c'est un peu pareil aussi dans ton métier ou si tu veux être le meilleur, bah, t'es obligé de t'aider de tous les gens que t'as autour de toi et aussi de créer une atmosphère. Donc pour c'est aussi films, quelque chose que j'aime dans ce métier. Exactement pareil. Je crois qu'on aime du coup pour les mêmes raisons des métiers très différents. Je saurais pas faire le tien, mais par contre, si t'as pas la bonne équipe, tu peux pas réaliser un bon film. C'est impossible. Et je pense que c'est un peu pareil pour vous, mais quand tu gagnes une course, quand tu fais un podium, la première chose que tu fais, c'est les remercier. Bien sûr. Et même des petites attentions. Moi, ce que j'aime bien faire à la fin de l'année, c'est donner une petite photo à chacun membre de mon équipe, donner un casque, donner des gants, c'est des petites choses, je pense, qui touchent. Et aussi, comme j'ai dit, c'est une cohésion d'équipe et c'est important aussi pour le futur, c'est de la performance. Alors moi, je te conseille un truc qui est génial, je te donnerai l'adresse si tu veux. Pour les équipes, là, j'ai commencé à faire ça depuis un ou deux films. J'organise une journée où il y a deux masseuses qui viennent avec une table de massage. Et dès que les gens, ils ont 5 minutes, ils se posent sur la table et ils se font masser. Et c'est un peu improbable, mais on a la chance de faire des jobs où on peut faire des cadeaux un peu improbables comme ça. Et moi, j'ai fait ça sur les tournages et les gens, du coup, ils sont détendus toute la journée, ils sont contents et ça taffe. C'est super important que tu parles de ça, parce que quand on parlait de l'entourage, c'est pas que le mécanicien, c'est pas que l'ingénieur qui travaille la voiture. Ces gens-là font aussi partie de notre bien-être et de la performance, parce que si t'es bien dans ta tête, bah c'est là que tu délivres une meilleure performance. On dit souvent que les acteurs ont le trac et tout ça. Est-ce que toi, là, tu as une course dans 2 semaines ? Est-ce que tu penses que tu vas bien dormir la veille ? Est-ce que tu te manges toujours un petit stress les dernières heures juste avant la course ou pas ? Alors, stress, oui. J'ai envie de dire plus de performance, pas de dire est-ce que merde, je vais. J'ai peur. Hein. Voilà, exactement. La peur, c'est souvent on me pose la question. Peur, non, c'est plus de l'excitation qu'on a. Je pense que ça fait partie de ce qu'on aime dans le métier. Parce que nous, dans le pire des cas, on fait un mauvais film ou une mauvaise pièce, une mauvaise représentation. Pire des cas, on a un trou de texte. Vous, dans le pire des cas, on est quand même sur un autre niveau de risque, quoi. Et ça, c'est une de mes questions dans votre job, par exemple. Tu sais tout du par cœur que vous faites, où il y a place un petit peu à l'improvisation Ça dépend des projets. J'imagine que c'est comme sur certains circuits ou certaines courses pour vous. Il y a des trucs où il faut connaître à la virgule près parce que le réalisateur te demande de tout connaître et donc tu dois t'apprendre tout par cœur. Ou quand tu es au théâtre et que tu joues du Molière ou du Racine, il n'est pas question d'improviser, évidemment. Et puis il y a d'autres projets, souvent dans la comédie, où en fait l'instant présent prime plus que le texte. Et toutes les bonnes idées sont les bienvenues, donc peut y avoir beaucoup d'improvisation. Ouais. Je me suis rendu compte aussi avec l'expérience que ton naturel, ton côté en fait de mettre ton talent en avant, mais il y a des fois ça se commande pas et il y a des genres de dépassements ou même des stratégies de course où c'est toi qui prends la décision. C'est organique, voilà, c'est du naturel. Ouais. Bah, je pense que l'instinct du pilote et l'instinct des acteurs, je tendrais à dire que c'est de l'art, quoi. Il y a des pilotes, à un moment, l'instinct qu'ils ont de faire telle manip ou telle manip et c'est pas quelqu'un dans le casque qui lui dit fais ça, c'est juste son instinct de pilote, bah c'est. On se rapproche de l'art, quoi. Et bah je crois que le film va démarrer. Eh ben, on va y aller. Allez. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du film ? Franchement, c'était un film courageux. Cool. En tout cas, pour le sujet des pesticides, on voit que c'est on est complètement enferré dans un système forcément ancien. Le film montre aussi que, pour le moment, la fameuse transition écologique qu'il va falloir faire, on n'a même pas commencé cette transition, en fait. Et donc, faire des films comme ça, qui lancent le débat dans la société et tout, ça je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Tout à l'heure, on m'a posé la question de pourquoi t'es pilote en électrique. Et moi, la question, c'est pourquoi pas. J'ai la chance de faire ce métier-là. Si tu peux faire du bien à la planète, pourquoi pas le faire ? Félicitations.
Bah, merci beaucoup, merci. Parle-moi de Monaco. Donc, tu m'invites à Monaco, c'est une vraie invite ? C'est une vraie invite. Je vais vraiment bien, du coup. On va essayer d'organiser avec toute ma famille. Un petit tour on de sera piste. 15 ou 16. Hein. Non, je vais. Plus on est, plus on rit. Tant mieux. Okay, non, mais en tout cas, t'es le bienvenu. Si t'es chanceux et qu'on a organisé ça, un tour de piste avec, avec une e-pace. Avec une e-pace, sur un circuit, tu peux monter à combien ? Je dirais qu'on peut. Bon, facile de 230, on peut les prendre. Pas mal déjà. Moi, j'aime pas trop la vitesse, mais j'aime bien quand même. En électrique, je trouve qu'il y a un petit truc vraiment particulier sur l'accélération en électrique, quoi. Exactement. La sensation, elle est vraiment folle. Bah, c'est ça, l'électrique, c'est du 100% en fait directement. T'appuies sur la pédale, t'as la puissance qui vient par rapport à un thermique. Ouais. Le plaisir de conduite, il est toujours là, donc au final, c'est une chance. Et puis en plus, à Monaco, il y a pire comme cadre. Bon, je vais venir et j'espère que tu vas m'impressionner. Sans te mettre la pression, évidemment. Hein. Voilà, c'était bon. J'ai une deuxième question pour toi quand même. Je te soupçonne de sortir de garde à vue. Pourquoi ? Devine pourquoi. Quelqu'un là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Filme-moi ça. Excusez-moi, mais tous vos pilotes chez Jaguar sortent de garde à vue ? Ou c'est quoi l'histoire ? Pourquoi tout ? Non, bah je ne sais pas, je demande. Ça m'est fait. C'est à qui voulez que je monte en voiture ? C'est hors de question. Vous mettez quelqu'un qui sort pas de garde à vue et qui n'est pas aviné. Merci beaucoup. Ah bah, en chaussettes, ça marche aussi. Ouais, du coup, je te fais confiance.